Allez, c'est lancé pour cette finale catégorie des cadettes. Alors attention, à Fly Racing maintenant son doigt venir ce tour. Elle est bien positionnée, mais dans les intérieurs, Garnier Anaïs, cette alerte à un sport. Écoutez bien, la parole, il y a eu du changement. Elle est à la deuxième position, car c'est rentré dans l'inter. Je n'ai pas eu le temps de voir qui est allé récupérer donc cette première position. Est-ce que c'est Rouget Clara de Descartes qui est à la première place en abandonnant bien entendu la mi-parcours ici à Frontignan? Rouget Clara s'envole certainement vers la victoire avec sa plaque 57. On retiendra donc Garnier Anaïs Saint-Avertin, deuxième et la troisième marche du podium. Fly Racing faisant son doux revenir. C'est Petit Louise, pardon. Essayez-vous. Allez, c'est parti pour cette finale des cadets. Une traversée finale, ça carine à Léo Le Bougeant. Léo Le Bougeant dans les intérieurs. Le pilote de Trégun Côte-d'Armor qui prend l'avantage. En deuxième position, on a le pilote de la STMXS. Clément Rochelieu qui est tombé apparemment. Allez, toujours le même duo en tête. Léo Le Bougeant, Zachary Néel. Et en troisième position, la lutte entre les deux pilotes de Bardi. Avec Yann Ferrier ou peut-être la Pagane Serpentard. Les deux pilotes. Zachary Néel est tombé, les deux pilotes de Bardi. Mais là, c'est le retour peut-être de Vassil en Sarlerac. Vassil en Sarlerac pour un. Allez, c'est lancé pour cette finale des juniors d'hommes sur cette piste donc de Frontignan, 8e manche Coupe de France. Alors est-ce que c'est la Byzantine bougée loin à la plaque 819 qui est en train de faire le forcing pour prendre l'avantage? C'est bien le Fly Racing Besançon, un doux avenir qui vient de s'emparer de cette première position. Croze et Lorine est dans la roue. La DNU SPR BMX Fly Racing, la plaque numéro 4, la finaliste mondiale, rentre donc en deuxième position à la mi-parcours. On essaie de chercher maintenant la troisième marche du podium avec la plaque numéro 820, Moustier Coraline, le club de Saint-Rien, approche la troisième marche, elle n'est pas terminée sur le devant de la scène. Croze et Lorine lorsque le sprint, ah, je ne sais vous dire si c'est donc Croze et Lorine ou Mougenois. Allez, c'est libéré pour cette finale junior qui va parvenir à prendre l'avantage dans les intérieurs, peut-être avec Arthur Chavanon. Mais non, ce n'est pas Arthur Chavanon, c'est le Noël Enfin. Noël Enfin pour Saint-Brieuc Bénix. Arthur Chavanon pour le DM de plus SPR BMX Fly Racing. Et le retour également de Maxime Abad qui va avoir un pas d'avantage. Maxime Abad qui est retour avec Émile Dudon. Émile Dudon pour la dernière marche du podium avec Flora Lampin. Et plus également pour ce podium. Voilà, c'est lancé sur cette piste de Frontignan. Bien entendu, la pilote phare de Frontignan, Bertrand de Marianne, est en train de faire le forcing pour se détacher, ce qui est fermé dans la deuxième ligne. La pilote de Frontignan est plus avancée. Elle va certainement faire le doublé ici chez elle. Shimano GT Factory BMX, Doudou Mathilde approche la deuxième marche du podium. On va rentrer, bien entendu, dans le dernier virage. On s'attarde sur les arrières. La troisième marche du podium, 405. Et c'est Grand GM pour la DMX Club jouer les tout qu'il prendra la troisième place. Allez, c'est lancé pour cette finale des élites. Arthur Pilar, Jérémy Rancurel. Arthur Pilar, Jérémy Rancurel. Arthur Pilar, d'un cheveu, a réussi à se glisser à la première place. Et c'est Jérémy Rancurel qui est en deuxième position. La troisième place, Yassine Badarman. Mais il y a Mathis Ragan-Richard également. Pour l'instant, toujours Arthur Pilar, la DMX Saint-Brieuc. Pour aider au Fly Racing Besançon, la deuxième place. Et c'est Sylvain Darmon pour